Matin, l'aiguirien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage de ce petit déjeuner de ce lundi 16, si je ne me trompe pas. 16 mars, est-ce que vous vous rendez compte comme ça passe vite? On va utiliser les cartes de cartomancie, n'est-ce pas, pour ben pour tirer, je vais faire un tirage de 13 cartes. Je les utilise. Bientôt, tout le monde va les utiliser, vous allez voir. Alors, on changera, hein? Bon, on y va. Si vous aimez la cartomancie, non, ici sans rire, je vais vous mettre en barre d'infos. Si je n'oublie pas, donc en barre d'infos, vous cliquez sur le petit déroulé. Il y a une flèche, ou bien ça dépend sur quoi vous regardez. Et alors, et tout ce que je note, c'est caché en fait. Faut appuyer sur je ne sais plus ce qu'il est marqué. Plus, je crois. Sur un ordinateur, il a mis plus. Sinon, on m'a dit qu'il était mis. C'était une petite flèche. Une petite flèche, vous cliquez dessus, il y a tout qui se déroule. Et donc vous pourrez voir ce que je mets en barre d'infos pour éventuellement vous procurer ce jeu. Celui-ci est un jeu de. Je vous l'ai déjà dit, hein. C'est un jeu de. Un tarot normal. Le tarot à jouer, carte à jouer. Pas un tarot divinatoire. Donc ce sont vraiment les cartes à jouer. C'est un tarot normal. Ouais. Sauf que moi ici j'ai laissé les cavaliers. Donc j'ai au lieu d'avoir 52 cartes, là j'en ai 4 en plus, j'en ai 56. Voilà. Alors les énergies pour cette journée, les amis. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc on va aller tirer les 13 cartes. Si on n'a pas assez de renseignements par rapport à l'amour, je vais prendre mon tarot de Madame Lenormand, qui est un tarot celui-là, mais qui n'est ni vraiment Rider et ni vraiment Marseille. Oups. Ah, alors ici, qu'est-ce qu'il y a qui est tombé? Ici, nous avons une passion qui vous dévore. Alors ici, ça parle de passion vraiment dévorante, de plaisir facile. Donc, il est possible que ça parle, cette journée parlerait de par rapport à l'amour ici. Alors oui, c'est par rapport à l'amour, ce sera plutôt. Ben quelque chose qui va vraiment vous passionner. Vous passionner. Si c'est quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous êtes avec une personne, c'est de la fascination. Voilà, vous allez vraiment. Vous allez vous sentir bien. Ou vous allez en jouer. Donc c'est vous qui allez trouver quelqu'un, draguer quelqu'un et vraiment profiter de ça parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être. Ça va être fort, puissant. Alors, ça peut être de l'amour, ça peut être le sexe, ça peut être aussi une passion dévorante, ça peut être aussi une passion. Vous allez découvrir que vous aimez tirer les cartes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ah, ici, on nous parle, faites attention d'un risque d'accident. Ici, et du coup, une situation difficile. Ça peut être tout à fait deux choses différentes, hein. Mais bon, les cartes qui sautent sont toujours très importantes, il faut toujours les regarder. Sauf quand il y en a, c'est la corde qui tombe, mais ça veut toujours dire quelque chose. Alors ici, il y a une rencontre importante, une rencontre d'une personne qui va vraiment peut-être vous aider, en tout cas, c'est une rencontre qui va être importante. Donc, si vous voyez quelqu'un, si vous rencontrez une personne, que vous connaissez ou pas, faites quand même attention. Soyez vigilant avec
à ce que cette personne pourrait vous dire ou vous faire comprendre. Voilà, parce que c'est important, il y a quelque chose d'important. Ici, ça nous parlera, pour certaines personnes encore, on se défend pour des enfants. Alors peut-être par rapport à une garde alternée. Oui, il y a peut-être une décision de justice. Peut-être de justice, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe pour certaines personnes, pour les enfants. Par rapport aux enfants. Je coupe. Alors, ici, ah, super. Super, 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 super. Alors, peut-être un voyage d'affaires ici avec le 9 de trèfle. Ici, c'est un succès de toute façon. C'est les gains, c'est les rentrées d'argent, c'est les profits. Voilà. C'est aussi une carte. Moi, j'ai quand même envie de vous dire que ça peut être le voyage d'affaires. Ça peut être aussi, méfiez-vous quand même des personnes. On pourrait ruser. Alors, ça nous parle de personnes qui pourraient ruser. Ça peut être vous qui allez ruser pour justement gagner. Mais de toute façon, ici, c'est de bons investissements, c'est du succès général et alors, ça peut être aussi de l'argent que l'on vous doit, que vous allez récupérer. Et là, on a des défenses imprévues. Des dépenses imprévues. Ici, avec le 2 de trèfle. On a des dépenses imprévues. Peut-être, justement, on va payer son avocat. Enfin, et si vous avez des doutes par rapport à une personne ou par rapport à un fait, eh bien, vos doutes sont justifiés. Vos doutes sont justifiés. J'ai encore une fois le 4 de cœur, la passion. Prospérité, écoutez, ici, voilà, ici, changement, déménagement, déplacement, mutation, j'ai disparu. Donc, je pense que ça va être une journée. Alors, ici, quand vous savez, hein, quand on a. Quand on tire une carte, c'est le tirage du jour, mais ça peut être pour hier, pour demain. Voilà, c'est. Ici, c'est une personne seule. Une personne seule. Mais qui accepte sa solitude. Donc, c'est une personne qui peut être veuve, divorcée ou séparée. Ou, voilà. C'est une personne qui se sent bien dans sa solitude. On a encore une fois le succès général, l'investissement, les gains. Donc, on retrouve de l'argent. On récupère de l'argent. Peut-être, j'ai ici une idée qui me vient, une pension alimentaire, des arriérés de pension alimentaire, peut-être. J'ai dû mettre Chanel sur mon autre chaise de bureau, parce que elle mange, Oscar, il est en train de piquer les os, les petites gougouilles à tous mes chiens. Et donc, voilà. Ok, donc j'ai encore cette dame-là, donc il y a encore une dame ici, ça me confirme qu'il y a une dame seule. Qui est ici dans les environs et dans les qui va être dans les parages autour de vous. Et c'est une dame. Et ici, peut-être que grâce à cette dame-là, vous allez éclaircir une situation. Ou il y a une situation qui est un peu ambiguë avec une dame de pique. Avec une dame seule. Ou qui est censée être seule. Bon, je remélange, je ne coupe plus parce que j'arrête pas de faire des coupes. Je prends mes 13 cartes. Cartes qui se retournent. Ah, ici, il n'y a pas de hasard si les cartes se retournent. Donc ici, j'ai mon petit Lenormand qui s'est retourné avec le poisson. Donc le poisson, c'est aussi... ça peut parler d'addiction, ça peut parler d'addiction, donc de travail indépendant, donc oui, un travail indépendant, ça peut me parler de... Aussi, on est heureux comme un poisson dans l'eau, donc vous allez peut-être vous sentir bien du coup.
Bouge-toi, Oscar. Bouge-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Donc, on aura besoin peut-être de recouvrir les cartes, donc on va voir. Alors je vais mettre 13 cartes parce que je me suis rendu compte que même si je fais moins de cartes, bah, je vais quand même tout aussi long, ça c'est tout aussi long. Donc allez, on commence. Première carte. Alors ici nous avons le cavalier de carreau. Le cavalier de carreau ici, c'est quelqu'un qui n'est pas très courageux. Ça me parlera d'une personne qui n'est pas très courageuse. En général ici c'est un homme, mais comme c'est un tirage général, on peut penser que c'est une femme aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas motivé, c'est quelqu'un qui n'a aucune motivation, c'est quelqu'un qui ne... il fait rien, quoi. C'est le paresseux de service ici. Il est possible aussi que... on tranche, on prenne des décisions. Donc il est possible que on rompe certains liens avec cette personne. C'est peut-être, j'invente, vous êtes patron, vous avez un employé, un ouvrier qui vraiment ne fait rien du tout, eh bien il va y avoir un licenciement. Ça peut être ça, pas que, d'accord, mais ça peut être ça. Alors, pas comme ça, hein, comme ça. Oh, il y a des blocages ici, des petits chagrins, des obstacles. Ça peut être aussi des légers dégâts, légers dégâts. Amélioration, progrès. Donc, ah, ok. Donc, il y a des choses qui vont aller un peu mieux pour moi par rapport... Je vais aller plus loin. Ok. Coup de chance. Alors faites attention, ça nous parle aussi d'un jeune homme évidemment, puis c'est le valet ici. Donc c'est un jeune homme. Ici, je pense qu'il y a un jeune homme qui va vous aider à améliorer une situation. Ça peut nous parler aussi d'ici d'une lettre d'énergie. Donc peut-être que vous allez alors recevoir quelque chose d'écrit. Peut-être que à cause de ce blocage-là, vous allez retrouver une certaine énergie parce que justement, vous devez vous battre et vous n'allez pas laisser les bras. Peut-être que l'autre là qui devait se battre avec vous ne le fait pas, mais vous allez vous battre à cause peut-être de lui, vous restez bloqué parce que lui ne se bouge pas. Il avait peut-être dit je vais t'aider, oui, je vais t'aider, tracasse, je serai là, mais comme 99 fois sur 100, ben quand ça doit être ça, ben ça n'arrive pas. Hein. Les gens sont toujours là, mais quand ça arrive et qu'on a besoin d'eux, en général, ils ne sont pas là. C'est comme ça qu'on reconnaît ses amis, d'ailleurs. Et donc, du coup, vous vous retrouvez bloqué, j'ai l'impression, à cause d'une personne. Peut-être que c'est une personne qui vous a dit quelque chose, qui vous a promis quelque chose. C'est pas pour ça que c'est dans votre couple. Ça peut faire partie de votre couple, ce blocage, mais ce n'est pas... Peut-être une tierce personne ici, un ami, une amie, quelqu'un, un frère, que sais-je, une personne qui vous a dit « je vais t'aider, ne tracasse pas ». Et lui, il n'avance pas. Ou « mais ça va, je vais le faire » ou « je ne vais pas le faire » parce que si tu ne le fais pas, je serai bloqué. Ou « si tu le fais, je serai bloqué ». Et lui ne va pas le faire. Pas parce qu'il ne veut pas, c'est tout simplement parce qu'il est paresseux. C'est parce qu'il est paresseux. Ou parce qu'il veut rompre des liens, certains liens avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez rompre des liens. Suite justement au fait qu'il ne se bouge pas un peu le... Alors, ici, le 5 de carreau. Alors ici, attention, ne vous entêtez pas, ça ne sert à rien. Il y aura un petit conflit sentimental. J'ai pas dit amoureux, sentimental. Alors, on a la rivalité ici. On lutte. On a des choix à faire. On a, ouais, une certaine rivalité. On a ici le cavalier de cœur.
Et encore une personne. Enfin, ça peut-être, c'est peut-être la même personne, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est ici égoïste, qui n'est pas digne de confiance. C'est quelqu'un qui calcule tout. Je sais pas, il y a une personne, dans tous les cas, une personne près de vous qui est, ou deux personnes qui sont. Peut-être que vous avez fait confiance, hein, à certaines personnes et que maintenant, ben, vous allez constater que, ben, non, non, Oscar, non. Il faudra, si c'est, enfin, si vous ne le savez pas encore, peut-être faites attention autour de vous, un ou deux monsieur, donc principe de monsieur, peut-être des dames, hein, ou un couple, ou des personnes tout à fait qui ne se connaissent même pas, mais il y a deux personnes. Une personne sûre, voire deux peut-être. Alors peut-être qu'ils vous jalousent, des gens qui vous ont promis des choses qui ne le font pas, et du coup ça vous bloque. Vous n'arrivez pas. Voilà, ça vous bloque. Et du coup, j'avais tout à l'heure. Ouais. Conflit sentimental. Attention aux entêtements. Donc peut-être que c'est vous qui vous entêtez à essayer de faire bouger les choses, mais ils ne bougeront pas les choses. Les blocages vont rester. Alors, tournez. Maintenant vous le savez, donc. Essayez de changer votre fusil d'épaule. Et ici, nous avons une réussite, une intelligence, une puissance d'action ici. D'accord? Donc ici, vous allez vraiment, justement, lorsque, à mon avis, vous allez vous rendre compte que sur ces gens-là, on ne peut pas compter, vous allez faire agir autrement et vous allez réussir à faire ce que vous voulez faire. Ici, nous avons le roi de pique. C'est un homme de loi. Ça me parle d'un homme de loi. Médecin, notaire, avocat, juge de paix, etc. etc. J'ai disparu. C'est une personne, ça peut être la police, ça peut être le juge, hein, je vous l'ai dit, un militaire, quelqu'un qui... Il est possible aussi que ce soit un médecin ici. Une personne qui est dans une administration. Donc, je pense que vous allez vous prendre une décision. Et la décision, c'est peut-être de trancher avec la loi, vraiment. En tout cas, ça me parle... Ou d'aller demander un avis officiel. On a le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle, il va nous parler de discorde, d'éloignement d'une personne. Donc, peut-être que c'est l'éloignement de ces personnes qui sont... Alors... En tout cas, il y a l'éloignement d'une personne, d'accord? On n'est plus en accord avec cette personne. On va voir si c'est ces personnes-là ou cette personne-là qui n'était pas digne de confiance, on va voir. Ou si c'est une autre personne. Alors ici, on a des infidélités et des incompréhensions. Mais je n'ai vraiment pas l'impression que c'est... par rapport à l'amour. J'ai une rivalité. Donc, pour moi, il y a... C'est peut-être des... Tout simplement, voilà, ce sont des collègues. Peut-être qu'ils vous avaient promis, oui, tu convoites ce poste-là, mais tracasse pas, quand ça va être le moment, tu l'auras, parce que nous, on va faire ça, on va faire ça, on va parler pour toi, on va dire ceci, on va dire cela. Oui, ben, en fait, ils ne vont rien faire du tout, vous allez vous en rendre compte, et vous allez vous dire, ben, finalement, c'est vraiment des faux culs, parce que, et de toute façon, c'est... Voilà, ils ne font rien, ils n'ont rien fait, et moi, je ne sais plus quoi faire, donc je vais... Alors ici, c'est l'homme de loi, oui, ça pourrait être aussi quelqu'un qui tranche, une personne qui tranche, d'accord? Voilà. Donc vous allez avoir besoin d'une personne qui tranche, ou... on va voir... Peut-être une grossesse. Alors, une grossesse possible, la guérison. Alors, ça peut être aussi... oui, grossesse, guérison, si ça vous parle. Mais ça me parle ici par rapport au jeu que j'ai. C'est la guérison. Donc, ça veut dire que vous allez arriver à ce que vous désirez. D'accord? Vous allez arriver à vraiment à ce que vous désirez avoir. Ce qu'il fait, c'est pour juste piquer le bonbon de Chanel. Non, Chanel, ne te laisse pas faire. Non, Oscar. Non. T'en as eu 50 des bonbons. T'es gros.
où est-ce que j'en étais? De toute façon, j'en ai plus qu'une à retourner. Je vais retourner avec la main gauche, j'aime mieux. Et ici, voilà. Alors, quoi qu'il arrive, on a le triomphe, d'accord? On a la réussite financière, en tous les cas. Une grande réussite financière. Donc, si ça vous parle par rapport à de l'argent, vous allez avoir ce que vous désirez. Vous allez peut-être devoir vous battre. Vous allez encore peut-être avoir... Il va encore y avoir des obstacles à surmonter. Il va y avoir des personnes qui ne vont pas vous aider. Vous allez vous rendre compte que financièrement, peut-être que ces gens-là vous avez dit, écoute, si tu as besoin, je peux t'aider. Et puis, ils ne sont pas là. Voilà. Il y a des choses qui vont vous décevoir, ou qui vont vous en déçu. Peut-être que vous vivez un petit peu cette situation pour le moment. Et ici, au final, vous avez quand même la réussite financière, d'accord? On a quand même la réussite financière. Et donc, peut-être aussi une grossesse. Et ici, grossesse possible, c'était aussi... et guérison, c'est aussi quelque chose qui naît. Une grossesse, on naît. Il y a un bébé qui naît. C'est aussi la naissance d'une nouvelle vie, la naissance d'un nouvel emploi, la naissance de voilà, un cycle qui arrive, un nouveau cycle. Voilà, c'est quelque chose en tous les cas. Financièrement, en tout cas, si ça vous parle, si c'est votre problème, on va dire, la problématique ici, ou si vous n'êtes même pas en manque d'argent, mais que vous désirez vous gravir les échelons, ça va se faire. Voilà, ça va se faire, vraiment. Ayez confiance, vraiment, ayez confiance. Peut-être justement que vous allez être aidé d'un avocat, peut-être que vous devez, comme vous êtes bloqué, alors oui, ici ça pourrait éventuellement s'agir, il pourrait s'agir peut-être d'un banquier, d'une personne qui prend des décisions à la banque, peut-être pour vous octroyer un crédit pour pouvoir avancer dans ce que vous avez envie de faire. En tout cas, vous allez, par rapport à l'argent, vous allez réussir. D'accord? Je vais juste voir si je dois... Parce qu'on va quand même faire l'amour avec le tarot de Madame Lenormand. On a quand même ici... Non, on a quand même ici... Ce sont des bonnes nouvelles aussi. Hein. Cette carte-là, c'est aussi de bonnes nouvelles, mais... puissance d'action, on a la réussite financière, vous avez quand même des améliorations, des progrès, de l'énergie, vous avez retrouvé de l'énergie, voilà, et alors il y a une forme de guérison, peut-être que guérison de santé pour de bon, mais ça peut être aussi une guérison, on va guérir justement du coup, puisqu'on va réussir, on va guérir de ces personnes qui nous ont tellement déçus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes, voire trois. Trois personnes qui vous auraient déçu. Pour moi, c'est principalement des hommes. Pour moi, j'ai ce sentiment-là, mais ça peut être évidemment... par rapport à votre cas. On va regarder si je peux... On va peut-être... Je ne sais pas. En tout cas, on termine avec le succès. Je ne sais pas si je dois tourner, si je dois... Je vais dire... Ça, c'est ce que vous allez passer, de toute façon. Ce par quoi vous allez passer, de toute façon. Donc, je n'ai pas envie d'en... Vous allez avoir des épreuves, c'est sûr. Mais je n'ai pas envie de recouvrir, puisqu'on sait qu'à la fin, on triomphe. Donc, moi, je préfère laisser comme ça. D'accord? Vous allez avoir peut-être quelques... moins d'aide que vous ne pensiez, mais malgré tout, il y a quelqu'un qui va ici vraiment vous aider, et c'est grâce à cette personne que vous allez trancher. Mais il y a, en tout cas, vous allez couper les ponts avec une personne. Quelqu'un qui n'a vraiment pas levé le petit doigt pour vous. Ok. Voilà, les amis. D'accord? On va laisser la réussite... au-dessus, et les blocages, on les met en dessous. Voilà. Maintenant, nous allons faire 3. Bon, Oscar, je veux bien, mais ça sert à rien. Tu n'auras pas? Non, tu rêves. Tu en as eu 3. 3. 3. Plus le reste. Tu vas être malade pour finir, mon chien.
Allez, l'amour, les énergies de l'amour pour cette journée. J'ai le 7 de denier et le 5 de bâton en coupe. Alors, ici, par rapport à l'amour, ici, contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure, ici, j'ai vraiment... une dispute physique apparemment. C'est vraiment une dispute qui on c'est comme si on allait en venir aux mains. Ce sont des vrais conflits. Il y a des vrais conflits ici. Des vrais conflits. Ici, on a des échanges. Par rapport à l'amour, je pense qu'on vous demande de patienter. On vous demande de patienter. Il y a des personnes qui sont rivales. Et quelqu'un qui peut-être qui se joue de vous, en fait. Il vous dit toujours patiente, 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 et au final, vous êtes la troisième roue de la charrette pour certaines personnes, même si vous êtes, ouais, c'est une personne en tout cas qui vous dit patiente, 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 on va se mettre ensemble, ou ceci ou cela, ou je vais changer, ou voilà, mais, enfin voilà. Il y a des disputes. Et ici, on vous demande d'avoir la patience. Donc, on va prendre nos trois tas. Mais c'est pas mon chien. On va faire nos trois tas. Ici. Je vais faire l'endroit. Donc, ici, nous avons les étoiles. Donc, ici, avec les étoiles, ça va nous parler d'espoir. Ça va nous parler de sérénité, de clairvoyance. Gardez espoir. Où vous êtes dans l'espoir. On a le 6 de denier. Le 6 de dinar, de denier. Nous avons le 2 de denier. Donc, on est toujours dans les deniers, dans l'argent principalement. En tout cas, dans le matériel. Voilà, le 2. Donc, jusque-là, ça peut aller. J'aurais bien aimé avoir... Et le 10 de denier. Oh, on n'est que dans l'argent ici, les amis. Nous ne sommes que dans l'argent, dans les sous. Dans les sous ou dans tout ce qui est matériel. Alors. Ici, je pense que vous allez... Il faut que vous soyez... vous devez être dans l'acceptation de recevoir comme dans l'acceptation de donner, d'accord? Donc, vous devez... il faut vraiment vous dire que... On ne sait pas de quoi demain sera fait et vous faut être dans l'acceptation. Moi, ici, j'ai trop de finances, donc j'ai trop d'argent. Le 10 de denier, évidemment, ben ça, c'est magnifique. Hein, le 10 de denier, c'est la...
c'est la réussite matérielle. Et en même temps, normalement, vous voyez, on a une belle maison, on a le chien, voilà, on a tout. Avec le 6 de denier. Le 10, pardon. Le 10 de denier, on a tout. Et là, le 2 de denier, pour moi, c'est la prospérité qui commence ici. C'est la prospérité qui va commencer. Oui, et la force. Vous allez avoir besoin, ou vous avez eu beaucoup de force qui vous a aidé à vous développer pour arriver peut-être à ce que financièrement vous soyez bien pour fonder une famille, etc. etc. Maintenant, j'ai pas d'amour ici, donc on va mettre Oscar par terre. Allez, descendre. Et on va mettre ceci ici. Qu'est-ce que je fais? Je retourne le paquet ou je prends celle d'en dessous? On a l'enfant. Mais l'enfant, je suis avec... en fait, il y a des représentations du petit Lenormand aussi. Hein, donc, voilà. Ici, on a la carte du 6 de coupe. Ici, on a les amoureux. Et puis là, pourquoi j'ai... Ah, je me suis trompée. C'est pas grave. C'est pas grave. Je prends tout dessus parce que j'ai voulu la prendre. Donc, je prends celle-ci. Et nous avons la force. Alors, ici... il y a une probabilité qu'un ancien amour pourrait revenir. En tout cas, il y a une force, il y a un amour ici. Si vous êtes déjà amoureux, si vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose qui va se passer. Il y aura des souvenirs peut-être du passé. En tout cas, vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous allez... peut-être, oui, vous allez retrouver peut-être quelqu'un du passé qui fut votre amoureux, mari, amant. Ça peut être quelqu'un aussi d'une autre vie. Donc, peut-être que vous allez, avec cette personne que vous allez rencontrer ou avec laquelle vous êtes déjà, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de force. Votre amour, votre situation amoureuse va vraiment être tellement forte que vous allez vous dire, mais c'est pas possible, on dirait qu'on vit ensemble depuis longtemps, on dirait qu'on se connaît depuis toujours. Et moi j'ai vraiment, et là il y a vraiment un choix d'amour qui va se faire, il y a une union hein, qui se fait ici, d'accord? Donc vraiment, donc vous avez ici, ces jours-ci, en tous les cas, aujourd'hui peut-être, on se remet avec quelqu'un du passé, quelqu'un que l'on aime toujours, qui nous aime toujours, ou vous pensez ne plus aimer, mais vous l'aimez toujours, en fait. Et donc, il y a quelque chose de puissant dans cette relation. Par contre, ce qui me dérange, c'est que j'ai fait ça, donc je vais faire pareil. Donc là, je vais prendre celle-ci. Donc, si j'avais fait ça, j'aurais pris celle-ci aussi, d'accord? Donc, du coup, on va faire comme ça. Ici, je vais faire comme ça. Et celle-ci, je fais comme ça. Nous sommes d'accord, hein? Alors, ici, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est tout simplement une réussite. Une réussite matérielle, encore une fois, on a beaucoup d'argent ici. Une réussite matérielle, on a tout. On est en train de s'épanouir. On a tout. Sauf l'amour. Que l'amour, il est en train d'arriver. Hein. L'amour est en train d'arriver. On a donc
Je refais ça parce que ça m'énerve. De toute façon, je ne vais pas regarder ça, je vais être influencée. Oui, donc on recommence. Pour moi, ici, il y a quelque chose. On se remet ensemble et on commence une nouvelle vie. Il y a un nouveau départ pour certaines personnes avec quelqu'un que l'on a aimé, mais c'est peut-être pas qu'on a été avec. C'est peut-être quelqu'un que l'on a aimé, mais qui, à ce moment-là, c'était pas. Voilà, c'était pas. Lui ne nous aimait pas ou. Voilà, il y a quelque chose. Mais ici, on commence quelque chose, il y a quelque chose qui va se faire. On a toutes les cartes en main ici. Le battleur, c'est le magicien, donc le battleur. Il a tout en main pour réussir et c'est ce qu'il va faire. Ici, il y a une réussite, une très très belle réussite ici. Par rapport donc à une évolution sentimentale, d'accord, amoureuse. La reine d'épée, ici, on va trancher. Il y a quelque chose qui va être dit et on va trancher. Ça me parle aussi de deuil. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui est en deuil? Est-ce qu'il y a une personne. Est-ce que cette personne-là est veuve? Il y a eu. Des pleurs ici. Il y a eu une dame, à mon avis, qui. Alors, c'est vous, madame, ou c'est une autre dame? Enfin, ici, il y a quelqu'un qui a été triste. Qui a été triste, qui a... je ne sais pas pourquoi. Bon, vous verrez, je sais pas. Il y a eu. Ça me parle de deuil et de tristesse. C'est peut-être vous, hein, mais du coup, ça va pas. Vous allez pouvoir tourner enfin une page et donc vous allez trouver la force pour vous retrouver votre force que vous aviez avant pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, y avoir un nouveau couple. Donc ici, moi, pour moi, ici, je vois que après avoir vécu dans la. Dans la difficulté, il y a la roue tourne et vous allez enfin vivre dans la, pour moi, dans la richesse, ou au moins dans l'aisance financière vraiment importante. D'ailleurs, on l'avait dans le tirage d'avant. Et donc l'argent et l'amour, ils seront là. On a la force, on a des amis, on a que du positif. Celle-ci qui tranche, je sais pas. Il y a peut-être une femme qui va nous. Il y a peut-être une dame. Alors si ce n'est pas vous, la dame d'épée, si ce n'est pas vous qui allez prendre une décision, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, on dirait bien. Mais c'est peut-être vous. Ou peut-être une femme de loi. Hein. Peut-être une femme de loi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être. Ah oui, mais vous savez, ça peut être aussi dans le jeu. On a dit on va prendre une décision par rapport à une personne. Tout à l'heure, j'avais dit par rapport au premier cavalier là que j'avais. Arrête, Goulave. Pour moi, il va y avoir une rupture de toute façon avec une personne. Pas un amoureux. C'est une rupture avec une. Quelqu'un qui va prendre une décision, mais ce sera la bonne décision. Peut-être que vous avez envie de le faire depuis longtemps, hein, mais là, vous allez le faire. Ok ? Bon, voilà. Je vais rester là, parce que j'ai encore été jusque... Ah non, 40 minutes, mais quand même. Donc, voilà, les amis. Ah oui, le oui, non. Je vais prendre mes petites cartes à moi. Je les ai ici. Aïe ! C'est les mêmes que... Ah non, hein, j'ai fait tomber. Parce que si je fais tomber une et que c'est justement là, ah, voilà, donc l'anneau qui doit tomber ici pour le oui et la croix pour le non, je cherche. Elle est là. Ok, donc la croix, je vous la montre. La voici.
Donc ça, c'est non. D'accord. Donc ça, c'est un petit jeu que j'ai fait. Représentation mini du grand. Du grand. Que j'ai fait aussi. Et t'es tombé, toi. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Les souris. Nous avons les souris. Les souris volent. Souci. Gros souci. Voilà, allez, on y va. Donc, posez votre question fermée. Est-ce que ceci, est-ce que cela, vais-je, va-t-il ? Il faut que ce soit oui ou non. Bon, allez, je coupe. Nous avons un monsieur amoureux. L'amour d'un monsieur. Ou d'une madame, si vous êtes deux dames, ou deux... Enfin, on s'en fout. Alors, on s'en fout, non, je veux dire, vous avez compris. Donc, oui, j'y vais, je tape 13 cartes. Vous arrêtez là, normalement, on arrête à 13 cartes, mais comme je vous dis toujours, il y en a qui veulent continuer, donc on continue. C'est vous qui choisissez maintenant. Allez, une, deux... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oscar, qu'est-ce que tu fais là au bout, toi ? 11, 12, 13. Donc là, il n'y a ni oui ni non, d'accord ? Vous choisissez d'arrêter là ou pas. Normalement, on continue. Nuage, le cœur, la faux, la lettre, une rupture, une rupture annoncée, la lettre, le serpent, le cercueil, le livre, il y a ici une, vous allez, pour une personne, ici sera pour une personne, vous allez avoir l'annonce d'une rupture parce qu'on vous a, on vous trompe. Vous allez certainement avoir cela, même pas de vive voix. Soit vous allez l'apprendre sur les réseaux sociaux ou un truc comme ça. La tour, l'encre, la maison, le jardin, le chien, la lune, la verge, l'étoile et la croix. C'est non. C'est non. Après, j'ai les souris, les oiseaux. Ah oui. J'ai les souris, les oiseaux, les chemins, la bague. Je vérifie parce que parfois, ça m'est arrivé une fois que j'avais loupé l'arbre et le monsieur. Et la madame, elle est là. Ah, elles sont jolies, mes petites cartes. Ah oui. Elles sont belles. Voilà mes amis. Bon. On va en rester là, n'est-ce pas? Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis sinon, portez-vous bien, soyez positifs, n'oubliez pas. Et surtout, pas de... Ben, soyez prudents. Bisous, bisous.